Un de leurs secrets les mieux gardés et un de leurs atouts majeurs est leur projet ultra-secret monarque, contrôle de la pensée. Ce programme est le fondement même du nouvel ordre mondial. On l'appelle aussi marionnette ou impérial conditioning. Le projet dans son ensemble traîne de manipulation mentale. Une personne qui a été soumise à ce conditionnement devient un agent dormeur qui peut être activé à tout moment pour commettre les actes les plus terribles à l'aide d'un mot-clé. Il est très difficile de les repérer pour la bonne raison que personne ne se doute de leur existence. Un des programmeurs les plus compétents et les plus tristement célèbres est le docteur Joseph Mengele, un génie sans scrupules. C'est à lui que l'on peut attribuer la paternité du projet Monarque. Le projet Paperclip avait permis, sous la houlette d'Alain Dulle, de récupérer des scientifiques nazis après la Deuxième Guerre mondiale. Ces scientifiques ont été intégrés au projet Monarque par la CIA pour travailler sur l'utilisation de la chimie et son influence sur le psychisme. Les Américains venaient de démarrer le projet MK-Ultra. À la fin de la guerre, Joseph Mengele a pris le chemin des États-Unis, encadré par la CIA. Aux yeux de l'opinion publique, il avait fui vers l'Amérique du Sud, mais il y a eu beaucoup de désinformation à son sujet. La CIA a orchestré une campagne de désinformation quand en 1985, ceux qui étaient à sa recherche ont trouvé sa trace, faisant croire que l'on avait découvert son cadavre à Embu, au Brésil. Les spécialistes de la désinformation ont affirmé que l'ADN prélevé sur Mengele correspondait à celui de son fils Rolf. Officiellement, il était mort et les recherches ont cessé. À l'Institut de médecine Kaiser Wilhelm, Mengele avait fait des expériences cruelles sur des milliers de jumeaux et autres êtres innocents. Beaucoup de fondations des Illuminati ont participé aux expériences de Mengele. Il avait commencé ses expériences dans le camp de concentration d'Auschwitz, où il disposait également de milliers de victimes. Il travaillait sur les multiples formes de la douleur. Son objectif était de créer un esclave parfait dont il pouvait contrôler les pensées. Des tableaux étaient constitués, qui indiquaient précisément les doses de torture, les traumatismes que l'on devait infliger pour obtenir des esclaves de la pensée. À la fin de la guerre, Mengele en savait beaucoup sur les services que l'on applique aux êtres humains pour les rendre obéissants. Il a disparu d'Auschwitz au mois de janvier 1945, plusieurs mois avant la capitulation allemande. Les Illuminati l'ont fait discrètement entrer aux États-Unis afin de profiter de ses connaissances extraordinaires sur la programmation du cerveau et de continuer ses expériences funestes, à grande échelle, pour promouvoir le nouvel ordre mondial. La première partie du projet Monarque a commencé au début des années 1950. Ce projet ultra-secret était chapeauté par un département entier de la CIA. Les trois corps d'armée, l'armée de terre, la Navy, l'Air Force y ont pris part. Beaucoup de personnes ont collaboré à ce projet, sans savoir ce qu'était l'objectif ultime de leurs travaux et ce qui s'est ensuite produit dans la réalité. Quand le projet a démarré, le responsable était des Illuminati. Les quatre cerveaux de l'opération étaient le Dr Green, il s'agissait en fait de Mengele lui-même, du Dr White, le Dr Ewan Cameron, du Dr Black, le Dr Edumel, et du Dr Blue, le Dr Heinrich Müller. Le cerveau d'un esclave est programmé comme un ordinateur, pas à pas. La méthode consiste à implanter dans le cerveau une sorte d'ordinateur que le cerveau finit par réguler lui-même. Le psychisme humain est capable de contenir plusieurs personnalités. On peut implanter des comportements conditionnés qui créent des doubles personnalités, des alternates personnelles ici, que l'on appelle des alters. L'esclave a dans son cerveau des alters qui peuvent être nombreux. Ces alters vivent dans deux mondes, d'un côté le monde réel, de l'autre leur monde personnel, pathologique. À l'aide de la programmation, on peut rendre ce monde d'illusions plus fort, plus vrai que la réalité. L'alter est une victime insignifiante à l'intérieur d'un système diabolique gigantesque. Au résultat, aucun alter ne représente le tout, seulement le petit rouage d'une machine énorme.
Il est évidemment impossible qu'un si petit rouage au milieu de milliers d'autres puisse se rebeller contre l'oppression qu'il subit. Un alter n'a pas le droit de suivre un autre chemin que celui qui lui a été attribué. S'il essaie d'échapper à son conditionnement, on l'expose à des démons, des pièges, des labyrinthes et des tunnels. La raison principale du succès de la manipulation mentale réside dans le fait que l'on peut créer plusieurs alters qui prennent en charge les fonctions physiques, sans qu'un alter ne connaisse l'existence des autres. Chaque alter dispose d'un code de programmation personnelle qui peut être déclenché à tout moment. La mémoire correspondante est activée. Il y a des alters de toutes sortes. Ceux que l'on appelle les alters Delta sont ceux qui commettent des attentats. Ce sont des esclaves dont le seul objectif est de tuer des gens. John F. Kennedy et son frère, Marilyn Monroe, Martin Luther King, parmi beaucoup d'autres, ont été les victimes de ces alters Delta. La méthode de manipulation mentale de personnes marginales, qui font le sale boulot des conspirateurs, rend pratiquement impossible toute tentative de remonter jusqu'aux vrais donneurs d'ordre, surtout quand les fonctionnaires enquêteurs sont aux ordres des Illuminati. L'alter bêta se consacre à l'espionnage et au chantage. Les esclaves bêta sont programmés pour être des séducteurs, des charmeurs, ils ont du charisme et de la créativité. Les responsables politiques et ceux qui ont un grand pouvoir sont souvent approchés par des esclaves bêta. Pour faire apparaître différentes personnalités chez un individu, le projet Monarch applique une manipulation mentale qui est basée sur des expériences traumatisantes. Les traumatismes infligés dépendent de l'objectif recherché et agissent sur l'individu comme une expérience qu'il ne pourra pas oublier. L'esprit humain crée des mécanismes de défense autour de l'expérience traumatisante. Il lui permet d'occulter ce que son esprit ne peut supporter. Ces protections protègent celui qui a programmé l'esclave, car la personnalité apparente de l'esclave ne sera pas consciente de ce que contient son inconscient. Ce bouclier de protection permet à l'esclave de mener une vie normale, sans être découvert par ceux qui l'entourent. L'objectif principal du projet Monarch est de créer des personnes qui ne se font pas remarquer en public et qui peuvent être activées à tout moment. Même s'il existe des variantes du projet Monarch initial qui sont appliquées aux adultes, la manipulation et le contrôle de la pensée commencent à l'âge de 6 ans. L'ancien illuminé Cisco Whaley a coécrit le livre « La formule des Illuminati pour créer un esclave de la pensée indétectable » Clacama, 1996. Il explique que ce n'est pas par hasard que l'on agit sur des nourrissons de quelques mois et des enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. On se sert de jeunes esprits que l'on peut encore influencer. Quand un enfant a été éduqué d'une certaine façon, il sera très difficile de modifier sa personnalité ultérieurement. Selon Whaley, il faut faire une grande différence entre les esclaves monarques de la hiérarchie et les esclaves monarques qui ne sont pas membres de la hiérarchie. Ils ne sont pas programmés de la même manière. Les premiers ont été choisis avant leur naissance. Tout dépend de leur position dans la hiérarchie. Les enfants ont été créés au cours de rituels précis et leur vie entière sera déterminée par les sinistres objectifs des Illuminati. Leur rôle d'esclave est de remplir certaines tâches. Ils sont programmés de façon multifonctionnelle, on s'en sert aussi pour programmer d'autres esclaves. Des femmes et des hommes de l'organisation seront toute leur vie à leur côté pour programmer leur destinée. Les Illuminati programment ainsi grand nombre d'enfants qu'ils ont besoin de l'aide de tous leurs disciples. À l'heure actuelle, ce sont la deuxième et troisième génération d'esclaves qui s'occupent de la programmation. Ceux qui ont été programmés au départ sont ceux qui font le travail maintenant. Les esclaves qui ne font pas partie de la hiérarchie ne sont pas très importants aux yeux des Illuminati. On s'en sert pour des sabotages, entre autres. Une fois qu'ils ne sont plus utiles, on les fait disparaître prématurément. Ou elle explique d'où viennent ces êtres humains. Il parle de parents du tiers-monde qui vendent leurs enfants et de sociétés d'adoption auprès desquelles les Illuminati se procurent les nourrissons et les jeunes enfants. Les enfants vivent dans des institutions ou chez leurs parents adoptifs, dans des orphelinats ou protégés par des gardiens et des tuteurs. Comme ils ne sont pas entourés de membres de leur famille, on peut les vendre facilement.
Beaucoup d'enfants destinés au projet Monarch sont éduqués par des éleveurs sataniques. Les éleveurs sont principalement des femmes qui ont été programmées. On leur dit que c'est un grand honneur pour elles de sacrifier leurs propres enfants. Certaines femmes sont enfermées et ne servent que pour mettre l'enfant au monde. Le traumatisme que l'on inflige est le début de toute programmation. Faire naître un enfant prématurément constitue déjà un premier traumatisme. Cette pratique facilite le travail ultérieur. Un enfant prématuré a en général une nature plus combative. Si toutefois l'enfant ne montre pas de volonté forte, l'instinct de combat pour survivre, il ne se battra pas pour surmonter les tortures qui lui seront infligées au cours de la programmation. Tous les enfants ne sont pas prématurés, mais comme cette méthode de programmation porte ses fruits, de plus en plus le sont. On traumatise également les mères enceintes d'enfants destinés à la programmation. On utilise des procédés qui influencent aussi le bébé qui va naître. Pour renforcer le côté combatif de l'enfant, on torture les bébés à l'intérieur du ventre avec des aiguilles que l'on introduit à travers le ventre de la mère. Le petit organisme subit des blessures nombreuses. Quand le nouveau-né sort du ventre de sa mère, la première personne qu'il voit est quelqu'un qui s'occupera activement de sa programmation. Les premiers 18 mois, les rapports entre cette personne et l'enfant seront marqués par la tendresse et l'affection. De cette façon, on établit un rapport de confiance. Cette relation étroite et apparemment empreinte d'amour est primordiale pour une programmation efficace. Elle permettra de scinder la personnalité après que le traumatisme originel aura été infligé. La scission de la personnalité se produit quand l'enfant se trouve confronté à deux opinions qui sont incompatibles. Après avoir été abreuvé d'amour et d'affection, on lui retire tout ce qui lui fait du bien. On l'enferme dans une cage et on lui administre des électrochocs. Les facultés sensitives de l'enfant sont saturées. Il finit par ne plus rien ressentir. On arrête de la nourrir, on ne l'habille plus, on le maintient dans un environnement froid. Quand l'enfant retrouve son maître, après toutes ces souffrances qui peuvent durer plusieurs jours, il est très excité. Quelqu'un est là pour l'aider, apparemment. C'est là que le programmeur révèle son côté démoniaque. L'enfant doit s'inventer une nouvelle personnalité pour venir à bout de ce qui lui arrive. Celui qui était son protecteur est devenu son plus grand ennemi. L'enfant n'arrive pas à concilier en lui les deux facettes antinomiques de son éducateur, le protecteur et le bourreau. Celui qui était jusqu'à maintenant sa personne de confiance est devenu celui qu'il craint le plus. À l'aide d'un test que l'on pratique vers l'âge de 18 mois, on peut savoir si l'expérience est concluante ou non. On cherche à savoir si la victime est capable de scinder sa personnalité de telle façon que l'on puisse passer à l'étape suivante. Les services qui permettent de scinder la personnalité d'une victime pour toujours ont été mis au point et appliqués dans les hangars d'une base aérienne de Californie. Officiellement, il s'agissait de mettre au point de nouvelles armes. La plupart de ces nouvelles armes servent en réalité à créer des robots humains, on en a créé en grand nombre. Le projet Monarch remplissait un hangar géant destiné à la construction de gros avions. Dans ce hangar, des milliers de cages étaient entreposées. Ces cages étaient juste assez grandes pour y loger de jeunes enfants. D'après nos informations, ces hangars contenaient de 2 à 3 000 bébés. Le cerveau humain dispose d'un mécanisme de défense inné qui permet à la personnalité de se scinder quand le seuil de douleur a été dépassé. La victime délaisse la personnalité qui a engendré cette souffrance, celle qui a été punie, une nouvelle personnalité apparaît, qui permet à la personne de continuer sa vie de façon artificielle mais supportable. Quand le processus a été mis en route, il est pratiquement impossible de l'arrêter.
On peut le comparer au processus qui conduit à la fission de l'atome dans une réaction nucléaire. Quand il est lancé, il continue tout seul. Les milliers de cages, disposées du sol au plafond, étaient branchées sur le courant électrique. Les enfants pouvaient recevoir un choc électrique à n'importe quel moment. L'objectif était là aussi d'obtenir une scission de la personnalité. On appelait ces cages des Whoopaker gris. La victime aperçoit un éclair quand le courant alternatif est activé. Plus tard, cet éclair aura un effet hypnotique pour faire croire à l'enfant qu'il entre dans une nouvelle dimension quand il est bombardé de courants à haute tension. Après avoir subi ces Whoopaker gris pendant des jours entiers, les enfants sont soumis à des viols répétés qui doivent augmenter leurs sentiments traumatiques. Ces viols sont effectués avec une violence accrue pour que leur intensité laisse un souvenir aussi traumatisant que possible. On utilise également des vidéoprojecteurs qui agissent sur l'inconscient. Ces projecteurs ressemblent à des jumelles, la seule différence est que de chaque côté des jumelles on projette un film différent. De l'œil droit, on voit des films positifs, des films de Walt Disney par exemple. De l'œil gauche, on voit des films d'horreur ou des films pornographiques. Pour mieux traumatiser les victimes, on se sert de chiens ou de singes dressés. On emploie surtout des drogues, que l'on administre avec des seringues, sur fond de musique, la musique des drogues. À l'aide de drogues, on peut atteindre les objectifs suivants. Mettre les individus en transe, provoquer des douleurs, renforcer les traumatismes, apprendre aux altères à rester dans la position désirée, limiter les facultés de mémoire, faire des expériences d'out-of-body, l'esprit quitte le corps. Une victime se souvient du Dr Green entrant dans la pièce avec son sourire glacial, tenant des pâquerettes dans la main. En se mettant devant la victime, il commence à arracher les pétales un par un, comme dans le célèbre jeu d'enfant, en répétant « Je t'aime, je ne t'aime pas, je t'aime, je ne t'aime pas ». Ce petit jeu va mener l'enfant à la folie, car il sait très bien que le dernier pétale sera pour lui le signe d'une mort prochaine. L'enfant qui n'était pas aimé succombait de manière atroce, dépecé vivant, pendant que les autres enfants programmés assistaient à ce spectacle effroyable. Cette programmation a lieu dans un grand hôpital du sud de la Californie, gardé par des marines. Cet hôpital a été construit sur le même schéma que tous les hôpitaux militaires. Il y avait une zone avec des sols en béton et des murs blancs. Une des chambres contenait des cages qui étaient suspendues au plafond. Certaines cages contenaient des singes, mais beaucoup d'autres servaient à garder les enfants qui devaient être programmés. En Californie, il y avait plusieurs entreprises de pompes funèbres contrôlées par les Illuminati, ce qui permettait de pratiquer le traumatisme du feu. Dans un crématorium, on obligeait les enfants à assister à la crémation d'autres enfants avec qui ils avaient eu des relations étroites. La chaleur très forte incinérait les corps et les transformait en cendres. Mais ces corps restaient entiers, figés dans leur apparence, jusqu'à ce que quelqu'un vienne ouvrir la porte du crématorium dans laquelle avait été placée une fenêtre. Le courant d'air ainsi créé pouvait désintégrer les cendres figées, et l'enfant qui devait assister à ce spectacle derrière la fenêtre était traumatisé à vie. Le traumatisme du feu était si bien mis en scène que l'enfant avait l'impression qu'il fondait lui-même en même temps. Ce traumatisme servait de base au stade de liquéfaction. La programmation était telle que l'esclave se mettait à fondre quand il en recevait l'ordre. Ce processus permettait au programmeur d'implanter à l'enfant ce que l'alter devait exécuter. Certains enfants étaient obligés de tuer des personnes que l'on employait dans les rituels, une bonne occasion de lui infliger un traumatisme supplémentaire. À l'âge de 4 ans, on emmenait ces enfants dans un château où la programmation pouvait continuer. On place une caisse en bois de cèdre devant une table. Des enfants, dont la programmation est avancée, sont chargés de surveiller la caisse. Cette caisse s'appelle la boîte du Dr. Box. On se sert d'altères qui ne savent rien de leur soumission hypnotique. On ordonne à d'autres enfants d'entrer dans la pièce et d'essayer de s'introduire dans la caisse. Les enfants qui surveillent la caisse sont armés d'épées tranchantes. Ils ont l'ordre de tuer les enfants qui essaient de s'introduire dans la caisse. S'ils échouent,
On en fait des enfants interchangeables ou on les programme au degré supérieur. Après avoir atteint le degré d'obéissance absolue, qui permet d'en faire des assassins, on procède au traumatisme de la fontaine. Les enfants sont placés devant une fontaine et on leur donne un ordre comme « coume-toi ». Apostrophe, utilise les électrochocs contre toi-même. Ou d'autres ordres d'automutilation. Avec ce procédé, on obtient de bons résultats, les altères se mutilant eux-mêmes sur commande. Quand l'enfant atteint l'âge de 5 ans, sa volonté propre n'existe déjà plus. On dispose maintenant d'un petit esclave que l'on peut manipuler à volonté et qui n'a plus d'opinion personnelle. Ses qualités et ses défauts sont déterminés. On décide de son futur et de la place qu'il occupera dans la société et les fonctions qu'il aura pour les Illuminati. Tout est scrupuleusement noté et conservé. Le plus grand secret que l'on cache aux altères de ces esclaves est que leur système a été diabolisé quand ils étaient encore au stade du fœtus. Les modalités qui conduisent à la programmation d'un individu contiennent la possibilité de le diaboliser. On vend à Satan des familles générationnelles sataniques, leurs enfants appartiennent au diable, d'une façon différente des enfants qui ne sont pas issus de ces familles. Une partie de la programmation des descendants générationnels sataniques consiste à projeter des forces démoniaques sur la personne et à la faire participer à des rituels sanguinaires pour attirer les démons les plus puissants. Les rituels qui conduisent à diaboliser un fœtus s'appellent « rituels de l'enfant de lune ». La création d'enfants de lune relève des plus hauts grades de magie noire dans le cercle des Illuminati. La pensée qui sous-tend la création de ces enfants de lune est de pouvoir emprisonner une âme parfaite à travers la magie noire. À ce degré élevé de magie, des sacrifices humains et animaux sont toujours exigés. Il est important de savoir que le contrôle de la pensée fera intégralement partie de la vie d'un enfant satanique. Il ne sera jamais à l'abri d'abus divers. L'abus d'esclaves de la hiérarchie monarque sera moins visible que sur des esclaves qui ne sont pas issus de l'élite des Illuminati. Les membres des Illuminati seront soumis au même traumatisme inconscient que les autres esclaves, mais les cicatrices des tortures et du contrôle seront mieux dissimulées. Ces enfants auront l'impression d'appartenir à l'élite, car ils ont vécu des événements riches et rencontré des personnes importantes. Les tortures du projet monarque sont une forme d'apprentissage, une façon de développer des talents humains. Ceux qui sont programmés doivent fonctionner selon un plan déterminé. On leur montre des images du futur et on leur inculque un mot-clé qu'ils emmagasinent dans leur inconscient. Ce mot-clé va tétaniser leurs muscles au moment critique. On leur a toujours inculqué cette phrase. Dans chacun de nous existe une force très ancienne qui prend, et une force très ancienne qui donne. Nous sommes soumis et formés par ces forces. Accomplis ton destin. Les esclaves des Illuminati ne servent pas que pour des attentats ou pour l'espionnage, ils interviennent dans toutes les hautes sphères des domaines qui influent sur la vie des hommes, les gouvernements, les églises et organisations religieuses, le monde scientifique, éducatif, financier et les médias. Ce n'est pas un hasard, car les personnes normales ne peuvent pas toujours être sous contrôle. Le complot aurait vite fait d'être découvert et rendu public. Les esclaves programmés empêchent de démasquer ceux qui tirent vraiment les ficelles et leurs projets. Ils sont une des pierres angulaires de la dictature planifiée par les Illuminati. Ce n'est que grâce à eux que les vrais dirigeants peuvent contrôler les événements dans les coulisses et en avoir une vue d'ensemble. Sans les esclaves, le nouvel ordre mondial ne peut exister.